Good morning, afternoon. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous, où que vous vous trouviez, et je vous souhaite à tous la bienvenue qui vous joignez à nous aujourd'hui pour notre webinaire pour renforcer la transparence des données forestières pour l'action climatique. Et nous sommes vraiment mettez un moment pour vous présenter dans la fonction dialogue, chat. Et ben, donnez-nous le nom de votre, de l'endroit où vous êtes, l'organisation, le secteur que vous représentez aujourd'hui. Je suis Maria Cucaravin, je suis chargée d'un projet en communication et la gestion des savoirs à la division des forêts de la FAO. Je serai le modérateur pour aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui lorsque nous lançons sur une étude de la transparence des données forestières dans le contexte de l'action climatique. Au cours de cette session, nous voudrons faire la lumière sur le rôle de données de forêt transparentes pour mettre sur pied des politiques et pratiques pour promouvoir la durabilité et lutter contre le changement climatique. Dans quelques instants, vous verrez une rapide enquête qui nous aidera à mieux comprendre notre public et ne remplissez ce formulaire et je vais vous dire ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons commencer par des déclarations d'ouverture de nos conférenciers de haut niveau, ensuite une discussion de groupe avec des experts forestiers et climatiques. Ensuite, nous aurons la présentation de projets de la CBIT, de l'initiative de renforcement des capacités pour la transparence sur les forêts. Et nous aurons ensuite les remarques de conclusion et quelques conclusions clés. Alors, maintenant des communications pratiques. Ce webinaire est enregistré. L'enregistrement et les présentations seront partagés avec tous les participants enregistrés. De plus, la session d'aujourd'hui est disponible en anglais, français et espagnol. Et choisissez la langue que vous souhaitez sur le panel Zoom. Nous vous encourageons à participer activement. Alors, n'hésitez pas à communiquer par la boîte de dialogue et poser des questions en utilisant aussi la fonction questions-réponses de Zoom. Nous avons des experts en ligne et les membres du panel qui seront de leur mieux pour répondre à vos questions en temps réel ou après l'événement. Alors, maintenant, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre orateur d'ouverture qui représente les organisations de partenaires, la FAO, le FFEM, travaillant donc dans ces données forestières et climatiques transparentes. Tout d'abord, nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Ziminou, directeur de la division des forêts de la FAO. Monsieur vous donc nous dira ce qu'il pense d'un point de vue des forêts sur les données climatiques. Zimine, vous avez la parole. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire Renforcer la transparence des données forestières pour une action climatique. Nous allons étudier aujourd'hui le sujet crucial de la transparence des données climatiques. Et si nous voulons libérer toutes les potentialités des forêts et répondre aux défis du changement climatique, nous avons besoin de données forestières transparentes. Pourquoi? Parce que des données transparentes, accessibles, solides, nous donnent un bon panorama du couvert forestier, des changements d'utilisation des terres et des stocks de carbone. Lorsque les gouvernements, les ONG, les parties prenantes disposent d'informations transparentes et précises, ils peuvent assurer le suivi de la déforestation et aussi des progrès vers la conservation et la restauration. Des données transparentes et précises sur les forêts. Donc, couvre les points, par exemple, chauds pour la diversité biologique, les systèmes les services écosystémiques, les permettent aux décideurs de prendre de bonnes décisions pour la planification de l'utilisation des terres, les stratégies de conservation, la restauration, l'utilisation durable et pour développer des politiques qui équilibrent les objectifs socio-économiques et environnementaux. Données assez transparentes et accessibles, souvent aussi à l'appui des droits des peuples autochtones et des communautés locales, et permettent une bonne utilisation et gestion durable des forêts. La transparence des données renforce la gouvernance en promouvant l'engagement et la collaboration à travers tous les secteurs. C'est aussi crucial pour catalyser
et encourager l'investissement, le financement dans la conservation et la restauration des forêts. Des informations crédibles et transparentes sur les stocks de carbone et sur les services écosystémiques ouvre la voie à un appui financier indispensable pour une bonne action climatique, ce que l'on voit dans le renforcement des ambitions et des mesures en faveur du climat. Chers collègues, la FAO s'est engagée, elle est à la tête de ses efforts pour réaliser la transparence des données nécessaires pour de bonnes mesures climatiques. Notre collaboration avec le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, a permis de lancer le projet de la CEBIT Forêt en 2019. Ce projet a renforcé la qualité, disponibilité et accessibilité de données forestières indispensables dans plus de 20 pays, y compris sur les taux de déforestation et les émissions de carbone. Grâce à des formations, ateliers, forums, le projet a aidé à développer les qualifications nécessaires pour un bon suivi et rapport des questions forestières. Le projet aide les pays en plus à développer leurs capacités et les capacités dont ils ont besoin pour protéger les forêts, tout en s'assurant que les efforts climatiques sont efficaces et durables. Voilà pourquoi je suis ravi que la session d'aujourd'hui nous présente la prochaine phase du projet CEBIT Forêt. La phase 2 profitera de nos succès précédents et nous permettra de progresser ultérieurement dans la transparence climatique. Je vous souhaite à tous une excellente session productive. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Zimin, pour cette section d'ouverture à venir. Nous avons Wang Xuhong, gestionnaire de l'examen de la division de transport du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, avec 30 années d'expérience de gestion environnementale et changement climatique. Madame Wang est une experte pour ces accords. Mais je vous remercie. Et Madame la modératrice, c'est un plaisir que d'être parmi vous. Merci de cette aimable invitation, vraiment, avec tous les collègues ici et avec Jimin et au siège de la FAO. Et en fait, le secrétariat de la Convention a contribué à la première phase de ce projet CEBIT sur les forêts, dans un effort de collaboration, et nous avons développé ensemble des modules de formation électronique, des produits de connaissance en participant à des webinaires et des cours en ligne. La première phase de ce projet a permis de faire prendre conscience du rôle crucial de données forestières transparentes dans les rapports et pour le développement de politiques climatiques, tout particulièrement dans le secteur forestier. Et je tiens à féliciter la FAO d'avoir lancé la deuxième phase, vraiment en temps parfaitement opportun, tout particulièrement au moment où les pays se préparent à présenter leur premier rapport de transparence biennale avant décembre 2024. Ainsi que leur deuxième rapport sur les contributions déterminées au niveau national d'ici février 2025. La transparence est indispensable pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et réaliser les objectifs de l'accord de Paris. La mise en œuvre du cadre de transparence renforcée est un cheminement continu. Ça nous aide à informer les choix politiques, les synergies, identifier les synergies, fixer des objectifs et renforcer la confiance entre les pays et les parties prenantes. En travaillant dans ce cadre renforcé de transparence, s'encouragent les relations, l'apprentissage, la collaboration et la confiance dans les efforts climatiques au niveau mondial. Des données forestières transparentes sont indispensables pour ce cadre, qui s'aligne avec la reconnaissance du rôle des forêts dans les mesures climatiques au titre de la Convention et de l'accord de Paris. La dernière conférence climatique à Dubaï
Conseil, l'année dernière, a souligné l'importance qu'il y a à conserver, protéger et restaurer la nature, y compris en mettant un arrêt à la déforestation d'ici 2030. Malgré une réduction de 9% de pertes de forêts tropicales par rapport à 2022, les forêts continuent à produire encore beaucoup d'émissions de carbone. Donc, traiter de la déforestation demande des données solides et des systèmes de suivi ainsi que des accords institutionnels. Et à cet effet, nous avons aussi besoin d'amélioration continue. Voilà des secteurs où l'initiative de la FAO, y compris le projet CBIT, peut vraiment avoir un impact pour aider les pays en développement, surtout. Et enfin, surtout, nous sommes convaincus qu'un échange d'informations régulier est indispensable entre les équipes techniques qui préparent les données pour l'évaluation des ressources forestières mondiales de la FAO et pour les rapports nationaux de la Convention. Ces échanges permettront de renforcer la qualité des rapports sur les dernières données sur le processus climatique et permettront d'avoir des rapports plus cohérents et réduiront aussi le fardeau de l'établissement de ces rapports et accroîtront la transparence. Nous attendons de continuer à ce fort, contribuer avec la FAO pour faire prendre conscience du problème et renforcer les capacités pour des données transparentes et des rapports qui aideront les pays à appliquer le cadre de transparence renforcé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui Rezola Rook, qui est spécialiste pour le programme de l'UNEP et qui va nous donner le point de vue du FEM, du Fonds pour l'environnement mondial, pour ce qui est de la transparence pour renforcer les capacités. Merci beaucoup. Tout d'abord, pour commencer, je voudrais remercier la FAO, particulièrement, et tous ceux qui se sont lancés dans ces efforts pour l'avoir organisé, et aussi les collègues de la Convention et autres collègues. Je vois plus de 170 personnes qui participent, alors je pense que cela est particulièrement intéressant. Je n'ai que 3 000 francs. Donc, très rapidement, je vais vous dire pourquoi nous pensons que le CBIT est important et pourquoi nous travaillons dans le secteur forestier. Pour le FEM, c'est la fondation des efforts nationaux pour les progrès pour chaque pays établi par chaque pays. Il s'agit de renforcer la transparence de l'appui ainsi que de renforcer la transparence des mesures climatiques. Et il s'agit aussi d'aider à renforcer les capacités des institutions nationales. Dans le cadre du financement climatique, nous pensons que la transparence a un rôle unique à jouer et le FEM et les autres institutions présentes ici, ainsi que la FAO et d'autres institutions et les autres qui font la plupart de l'aide au pays. Et c'est très important pour nous tous qui sommes présents ici pour aider à renforcer et jeter les bases de l'accord de Paris et de ses ambitions, surtout sur cette année importante pour la transparence, pour les premières présentations de rapports à la Convention, par exemple. Et je vais vous donner des chiffres. Au 31 mars 2024, le CBIT a aidé 36 projets dans 88 pays et nous avons environ 160 millions de ressources du FEM. Nous avons 7 institutions qui participent ce qui est très bon parce que les pays ont le choix d'institutions avec lesquelles elles peuvent travailler. Tous les pays en développement qui ont ratifié l'accord de Paris peuvent demander l'appui du CBIT, de la CBIT. Nous sommes ravis de voir que plus de pays demandent une deuxième phase de cet appui. Il n'y a pas de données ou de clauses d'achèvement pour la CBIT. Nous continuerons à aider les pays sur demande. Et j'aimerais dire quelques mots de pourquoi nous pensons que nous devons continuer à nous concentrer sur le secteur forestier. Tout d'abord, parce que par rapport à d'autres secteurs, les pays en développement continuent à être confrontés dans des défis pour donner des données fiables sur leurs forêts. Ces défis peuvent être attribués à un accès limité aux outils,
ou aux capacités institutionnelles ou d'autres éléments. Nous savons que nous devons traiter de cela. Et deuxièmement, le secteur agricole a un rôle important dans les émissions totales puisqu'il représente un quart de l'émission de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et en fait, cette proportion ne fait que s'accroître, surtout dans les pays en développement. Pour nous, comme communauté, vraiment agir comme il faut dans le secteur est une contribution importante pour renforcer la transparence des actions climatiques au niveau mondial. Et voilà pourquoi il est encourageant que le CBIT phase 2 permettra d'avoir accès aux meilleures données disponibles qui pourront aider les pays à faire rapport sur ces informations. Et pour conclure, je vous donnerai une bonne nouvelle, c'est que nous ramenons la réunion sur le CBIT au niveau mondial et le forum mondial sur la transparence se tiendra à Tokyo, Japon, c'est ma ville de naissance. Ce sera un forum de discussion sur la transparence, tout particulièrement pour le BTR et la préparation d'autres réunions qui sont des processus liés et les uns aux autres. J'espère que beaucoup d'institutions et de pays seront présents et pour ces nouvelles initiatives, y compris la CBIT phase 2. Je vous remercie de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci Shizuru et merci à tous les autres orateurs qui ont fait part de leurs remarques d'ouverture et de leurs excellentes présentations. Avant de nous lancer dans la discussion de groupe, je voudrais vous rappeler à tous d'utiliser la fonction chat qui vous pour poser les questions que vous souhaitez poser aux membres du panel. Et pour les ou d'ailleurs aux orateurs qui ont parlé en ouverture, puisque nous aurons des questions-réponses avec les représentants des organisations pendant la discussion et pendant tout l'événement. Alors, veuillez vous assurer vraiment que vous dites à qui vous adressez votre question et pour avoir une meilleure réponse possible. Maintenant, passons au prochain segment, la discussion en panel. Nous avons les représentants des pays partenaires ainsi que des organisations qui travaillent en étroite collaboration sur la transparence des données forestières. Permettez-moi de vous présenter rapidement les membres du panel. Nous avons tout d'abord José Armando Alanis de la Rosa, gestionnaire du système de suivi forestier national à la Commission forestière nationale CONAFOR au Mexique, qui est le président à l'heure actuelle du réseau d'inventaire forestier national des Caraïbes de l'Amérique latine. José Armando promeut la coopération technique et la transparence dans les données forestières dans la région. Nous avons Peter Ndwati, conservateur des forêts dans le service kényan des forêts. Il a plus de 20 ans d'expérience. Peter a joué un rôle clé dans la gestion durable des forêts et la participation des communautés au Kenya. Il appuie à l'heure actuelle activement des plans pour une gestion forestière dirigée par les communautés en travaillant étroitement avec des groupes locaux dans des projets comme la protection des mangroves, Red Plus, ainsi que l'établissement d'un système de suivi forestier national kényan. Nous avons aussi Julian Fox, chargé des forêts et chef d'équipe pour la plateforme des données et du suivi des forêts à la FAO, plus de 20 ans d'expérience dans les foresteries. Julian a travaillé dans différents pays en développement, gérant des projets de suivi forestier. Et son rôle actuel est vraiment s'il travaille à Red Plus sur les programmes de suivi forestier. Nous avons ensuite Pascal Martinez, qui revient du FEM, spécialiste du changement climatique. Depuis plus de 2 ans, Pascal travaille dans des projets environnementaux se concentrant sur les forêts et l'agriculture. Pascal est à la tête des efforts du FEM pour appuyer les pays en développement pour qu'ils répondent à leurs engagements environnementaux, tout particulièrement en gestion durable des forêts. Je souhaite la bienvenue à tous les membres du panel et nous allons tout d'abord adresser une question au Kenya. Peter, votre service forestier national joue un rôle crucial pour conserver, restaurer et gérer de façon durable les forêts. Pouvez-vous nous expliquer sur comment votre système de suivi forestier national et ses données peuvent aider votre service à remplir son mandat et comment ces données peuvent être bien utilisées dans le pays? Vous avez la parole.
On va lui donner quelques secondes pour assurer une bonne connexion. Est-ce qu'on m'entend? Oui, maintenant on entend l'orateur. Oui, peut-être qu'on pourra revenir sur cette question plus tard. À moins que Peter. Peter, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends clairement. Bon, mais nous aussi, nous entendons. Avez-vous entendu ma question? Je crois que nous avons des problèmes de connexion avec Peter. Eh bien, peut-être pouvons-nous passer à la deuxième question et revenir à celle-là ensuite. Dans ces cas-là, nous passons de l'autre côté du globe, nous allons au Mexique avec une question adressée à José Armando. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer pourquoi la transparence des données forestières est indispensable d'après le Mexique et comment assurer la transparence contribue à une bonne gestion, une bonne conservation des forêts dans le pays? Eh bien, merci beaucoup, Maria. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier au nom du gouvernement mexicain et aussi la Commission nationale, forestière nationale de m'avoir invité à ce webinaire tout à fait intéressant. Et nous partageons pour partager nos points de vue sur comment la transparence des données forestières est indispensable à l'appui d'une bonne gestion et conservation des forêts dans le pays. Je commencerai par expliquer que nous avons l'inventaire des sols et des forêts nationaux, l'INFIS, qui est une ressource critique, c'est un ensemble de données sur les écosystèmes forestiers mexicains, et c'est indispensable pour informer une bonne gestion des forêts. Et ça fournit des systèmes, fournit des inventaires, fournit des informations globales sur les aspects clés de l'écosystème, volume de bois, biomasse, stock de carbone, taux de croissance, biodiversité et autres indicateurs. Et je rappellerai que nos inventaires de sols et de forestiers nationaux, l'INFIS, a donné des informations au niveau national qui sont intégrés dans le système national d'information statistique et géographique qui assure leur qualité et une rigueur scientifique de toutes les données qui sont incluses dans le système. Et aussi, cet inventaire est une information d'intérêt national parce qu'il crée des informations, des ensembles de données, des indicateurs au niveau national qui portent sur l'environnement, les ressources naturelles et la végétation, et aussi des informations nécessaires à l'appui de l'évaluation, de l'élaboration et de l'évaluation des politiques nationales. On reçoit ces informations de façon régulière et aussi sur la base de méthodologies scientifiquement reconnues. Ces données servent le pays à élaborer, évaluer des politiques et programmes forestiers pour la promotion de la gestion nationale des forêts dans le pays. Il est important de rappeler que les informations de l'inventaire forestier et vraiment aident les pays à élaborer des stratégies ciblées, des programmes pour une gestion durable des forêts qui inclut entre autres l'appui à des initiatives ciblées sur la protection, la conservation et la restauration des écosystèmes forestiers. Par exemple, cet inventaire fournit des données qui nous aident à concentrer le programme pour promouvoir une gestion durable des forêts à partir de l'identification du potentiel productif de nos forêts avec des données donnant des données tout à fait précieuses sur la productivité des forêts pour en assurer une bonne gestion. Ça nous aide
aide aussi en définissant des secteurs de haute valeur pour la conservation, pour les stocks de carbone élevés, ou avec un risque de déforestation élevé aussi. Ainsi, avec ces données, nous pouvons optimiser l'allocation de ressources donc, et accroître l'efficacité de nos programmes. Et l'information pour cet inventaire nous ont aidés à reconnaître aussi le rôle vital des forêts pour atténuer les effets du changement climatique au Mexique. Et c'est pour cela que la conservation et la restauration des écosystèmes forestiers au Mexique, il est très important vraiment d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur l'atténuation des effets du changement climatique. Les informations de cet inventaire des sols et des forêts nationales nous ont aidés aussi à produire à appuyer notre système de suivi forestier national et nous a permis de faciliter la formulation de rapports indispensables comme le niveau de référence des émissions forestières et aussi les annexes techniques de REDD+. Et ces rapports ont utilisé des informations de l'inventaire national pour produire une évaluation et bien expliquer les effets des gaz à effet de serre et des émissions dans le secteur forestier. Et le gouvernement national du Mexique a ainsi pu réduire la déforestation de 1978 à 2019. Et maintenant, nous sommes en train d'utiliser le rapport pour 2020-2022 pour démontrer les réalisations pour réduire les émissions associées et donc par les engagements nationaux. L'inventaire nous aide à produire toutes les informations dans toute transparence et vraiment grâce à des documents qui ont été évalués et avec en suivant les procédures établies par la COP. Je peux aussi vous dire que le Mexique s'est engagé à la transparence en suivant le mandat du président du Mexique et le directeur général de CONAFOR. Toutes les données de l'inventaire des sols et des forêts nationales est publiée en ligne dans le système d'information forestier national, assurant un accès public et en garantissant pour tout le monde et en promouvant l'utilisation des informations pour les prises de décision au Mexique dans le secteur forestier, afin d'être conforme aux dispositions de la loi nationale sur la transparence et l'accès aux informations. Et en conclusion, je dirais qu'au titre de ces projets CEBIT Forêt, nous sommes engagés à contribuer aux efforts de la FAO pour compiler des informations de l'inventaire forestier national grâce à des micro-données. Donc, voilà, merci. Je vous remercie à nouveau et je suis prêt à répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, José Armando. Eh bien, c'est tout à fait intéressant d'entendre parler des progrès réalisés au Mexique pour renforcer les données forestières, leur récolte et en augmentant la transparence. Tout en développant leur système de suivi forestier national, de nombreux pays dans le monde ont reçu l'appui de la FAO, organisation qui a plus de 40 ans d'expérience dans le suivi des forêts. Juliane, je pense que tu peux voir venir ma prochaine question qui s'adresse à toi et tu nous dire quelle est l'expérience de la FAO pour aider les pays dans ce processus de récolte de données, de gestion, de rapports, quelles sont les approches de développement de capacités qui sont les plus efficaces pour autonomiser les différentes parties prenantes à participer activement et à utiliser des systèmes de données forestières transparents. Merci beaucoup, Maria. Je me félicite d'être avec vous aujourd'hui. Oui, vous l'avez dit, nous avons appuyé beaucoup de pays pour leurs activités de suivi. Mais au cours des 10 dernières années, on a assisté à un changement. Nous avons permis aux pays d'avoir de bonnes données forestières. Et je vais me concentrer sur deux éléments essentiels pour transformer les données forestières et
garantir la transition. Tout d'abord, disposer de toutes les possibilités techniques de façon ouverte et transparente. Et il y a 15 ans, à l'AFO, nous avons commencé à développer des solutions techniques pour le suivi des forêts, des outils open source. C'est très important pour les pays, pour que quiconque puisse comprendre comment on crée les données et pour permettre aux pays de créer leurs propres données. Alors, j'ai mis dans la boîte de dialogue des liens parce qu'au cours des 5 dernières années, on assiste à un changement dans la qualité des données qui ont été envoyées à la Convention. Nous avons fait une publication à l'occasion de la Journée internationale des forêts et on voit, on met l'accent sur l'importance des outils open source et à l'AFO, nous avons lancé un portail qui présente les différentes solutions liées à la collecte, la mise en place de bases de données, l'établissement de rapports. Voilà, ça a vraiment été très important. Beaucoup de pays ont utilisé ces outils et cela a permis de démocratiser la façon dont on crée des données forestières. Donc, 500 000 personnes utilisent cette plateforme dans plus de 190 pays, donc c'est vraiment extraordinaire. Beaucoup d'informations, mais ça a vraiment changé la donne. Autre élément qui a changé la donne, le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités a beaucoup changé grâce au travail de la CBIT, nous avons pu adopter une nouvelle approche qui a permis le transfert des capacités auprès de nombreuses parties prenantes. Par le passé, on organisait des ateliers dans les pays qui réunissaient les techniciens forestiers. Mais nous avons développé du matériel d'apprentissage en ligne, ce qui permet à l'ensemble des parties prenantes de participer, ce qui permet de renforcer la transparence et de renforcer la participation également des jeunes, des populations autochtones, de différentes parties prenantes. Et donc, l'apprentissage en ligne a permis également d'impliquer les femmes. Donc, les femmes sont très occupées au cours de la journée. On crée un outil qui leur permet de renforcer leurs capacités. Un outil facile à utiliser, eh bien, elles y ont recours, ce qui permet de transformer la donne et d'avoir des données forestières transparentes et solides. Alors, je vais partager dans la boîte de dialogue les liens vers ces produits. Merci beaucoup, Julien. Donc, l'AFO a déployé de nombreux efforts de suivi des forêts. Le FEM est un partenaire au cours de la FEM. Et j'ai une question pour Pascal. Le FEM joue un rôle clé en fournissant un appui financier dans le cadre de l'accord de Paris également. Quels efforts ont été déployés par la FEM pour renforcer la transparence et le renforcement des capacités à l'échelon national? À vous, Pascal. Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup de cette invitation à cet événement. Je suis ravie de partager avec vous ce que nous avons fait jusqu'à présent, le FEM et le mécanisme des conventions climat, et donc peut appuyer les pays en termes d'obligation de reddition de comptes. Alors, nous jouons sur 3 tableaux, appui à la rédaction de rapports pour la convention et pour aider les pays à respecter leurs obligations en termes de reddition de comptes. Alors, il y a également l'appui à la communication nationale et à ce qu'on appelle les rapports biennaux de transparence, RBT. Deuxième appui, c'est ce qui nous réunit ici.
le projet CBIT, accélérer le renforcement des capacités, le partage des connaissances, la sensibilisation à l'échelon national, mais également à l'échelon mondial. Nous avons essentiellement appuyé les pays à l'échelon national grâce via le CBIT. Ma collègue Shiruzu a parlé de l'appui fourni par le FEM dans de nombreux projets CBIT. Et depuis son lancement en 2016, le FEM travaille dans l'ensemble des régions, des cinq régions, également dans les PID. 17 pays pour le moment sont conclus à ce jour, mais il y en a encore beaucoup en cours. 44 projets FEM 6, 8 projets pour FEM 8, et nous continuons à améliorer ces projets. Mais le secteur AFOLU, effectivement, a ses spécificités. 42% de l'ensemble des projets. Donc, un quart des émissions, mais la moitié des projets reçus proviennent du secteur AFOLU. Donc, un secteur important pour les pays que nous aidons. Les choix des secteurs sont en général orientés par les parts des émissions. La part des émissions. Donc, il est important de souligner la part du secteur agriculture, forêt, autre utilisation des terres, AFAOUT. Bon, nous agissons également à l'échelon mondial. L'approche mondiale permet de partager les expériences pour respecter le cadre de transparence renforcé. Alors, il y a eu 7 projets mondiaux CBIT, 18 millions de dollars, 7 à 8 pour le secteur AFOLU, moitié des projets AFOLU, la moitié des projets CBIT. Donc, des projets en deux phases. Et nous en sommes à la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Forêt. D'autres projets mettent l'accent sur d'autres domaines prioritaires, donc d'autres secteurs pour l'atténuation. Et sur les forêts en particulier, bon, puisque les forêts réunissent la vie, la nature, et jouent un rôle dans les stratégies nationales, elles ont un rôle clé à jouer. Je me félicite d'avoir rendu de l'ami du Mexique, José Armando, qui a parlé de l'importance de la biodiversité et de la conservation, puisque la forêt, ça va au-delà du programme changement climatique. Donc, pour nous, en tant que mécanisme de financement des conventions de la Convention de Rio, c'est fantastique de souligner cette spécificité des forêts. Donc, nous développons les capacités pour garantir la transparence et la durabilité du suivi des forêts via programme d'apprentissage pour partager les connaissances. Et puis, on agit également à l'échelon des réseaux régionaux. Il est important de partager les connaissances à l'échelon régional. L'université également est impliquée dans cette nouvelle phase de projet forestier. On va s'appuyer sur les connaissances dégagées sur les forêts à l'échelon mondial. Et il faut faire référence aux réseaux nationaux du FRA, l'évaluation des ressources forestières. Et nous espérons que les pays seront mieux outillés pour faire face à ces défis. Pour répondre, pour respecter le cadre de transparence renforcée. Notre approche programmatique permet d'obtenir davantage d'impact. Donc, ce n'est pas un projet. L'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme mondiale intégrée dans le cadre de ce projet. Bon, voilà. Au FEM, on parle de programme. C'est essentiel pour renforcer l'impact
de nos projets allait bien au-delà de l'échelon national. Voilà. C'est tout ce que je tenais à dire pour répondre à votre question. Merci beaucoup, Pascal. Alors, vous avez parlé du travail en cours au Mexique et de l'importance qu'il y a à mettre en place une coopération régionale, des initiatives régionales, des réseaux régionaux grâce au financement du FEM. Par le passé, aujourd'hui, la FAO appuie le travail des réseaux d'inventaire forestier d'Amérique latine et des Caraïbes qui vise à promouvoir la création et l'amélioration des inventaires forestiers dans la région. José Armando, le Mexique préside actuellement le réseau. Et j'ai une question pour vous. Pourriez-vous vous arrêter sur les pratiques dans la région qui ont permis de renforcer la transparence forestière en parlant du travail réalisé par le réseau? Oui, merci beaucoup, Maria. Oui, le réseau des inventaires forestiers Amérique latine et caraïbien est un réseau volontaire, non contraignant, d'institutions, de gestionnaires, d'experts et de collaborateurs, des inventaires nationaux des pays de la région qui visent à promouvoir le développement et le renforcement des inventaires forestiers nationaux. L'idée, c'est de renforcer les compétences et de promouvoir l'échange technique de connaissances entre participants pour qu'on s'aide les uns les autres à renforcer nos connaissances quant à la façon de mettre en œuvre des inventaires forestiers nationaux, comment utiliser ces informations dans la prise de décision politique. Ce réseau repose sur la longue collaboration entre pays de la région et est appuyé par la FAO et d'autres institutions qui jouent un rôle clé en termes de renforcement des compétences, échanges techniques, développement scientifique dans la région. L'un des principaux résultats de cette collaboration pour le moment a été la publication d'un ouvrage sur les inventaires forestiers nationaux en Amérique latine et Caraïbes, publié en collaboration avec la FAO, l'Université fédérale de l'Amazon au Brésil, l'Institut des forêts du Chili, l'Institut national de l'agriculture, de la recherche alimentaire et des technologies du Centre de recherche national espagnol. Nous trouvons dans cet ouvrage des informations provenant de 21 pays sur l'histoire et l'importance des inventaires forestiers nationaux qui détaillent les méthodologies employées pour la collecte de données permettant de mesurer les principaux indicateurs forestiers. Dans l'ouvrage, nous examinons les similitudes et les différences dans la conception des inventaires forestiers nationaux, les défis, les opportunités liées à leur mise en œuvre et les attentes vis-à-vis de l'avenir. Cette publication constitue un véritable jalon dans le processus d'harmonisation visant la transparence des données dans le secteur forestier d'Amérique latine et des Caraïbes. Et cet ouvrage constitue une référence à l'échelon national dans le domaine des inventaires. Donc, cet ouvrage est un élément clé qui est le fruit de la collaboration entre pays au sein du réseau. Le réseau travaille à l'harmonisation de variables au sein de l'évaluation des ressources forestières mondiales qui vise à faciliter les estimations, l'établissement de rapports et les comparaisons en termes de volume, de biomasse, de stock de carbone. Nous avons mis en place un travail de collaboration qui met l'accent sur la systématisation de l'information sur les facteurs d'émission, par exemple, qui ont été utilisés par certains pays de la région pour estimer et faire rapport quant aux émissions de gaz à effet de serre et au piégeage de gaz à effet de serre dans le secteur forestier à l'appui d'autres pays de la région pour remplir les prérequis prévus par le cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris. Nous pouvons appuyer d'autres pays qui n'ont
moins d'informations que d'autres pays. Donc, ce réseau est crucial pour le renforcement des capacités, j'en ai parlé plus tôt, mais également pour tirer parti des avancées nombreuses liées aux technologies dans le secteur forestier pour collecter des données et les analyser, des données provenant de différentes sources, notamment les informations provenant de la télédétection, et intégrer ces informations à des informations provenant du terrain collectées via les inventaires forestiers nationaux pour renforcer nos capacités à mesurer les changements dans le secteur forestier en termes de biomasse, de stock de carbone, par exemple. Récemment, nous avons entamé un échange de connaissances quant à l'utilisation de notre approche pour la collecte de données. Par exemple, on s'intéresse à la façon dont on peut promouvoir la participation des communautés locales dans la collecte de données. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle l'approche de suivi communautaire des forêts par le truchement de l'utilisation de technologies mobiles afin de garantir la qualité des données collectées. Le réseau des inventaires forestiers nationaux d'Amérique latine et des Caraïbes montre à quel point la collaboration régionale peut nous aider en termes de gestion durable des forêts en ayant des données de qualité, ce qui permet aux pays de produire des données grâce aux inventaires forestiers nationaux. En appuyant cette collaboration, eh bien, nous pouvons remplir les prérequis du cadre de transparence renforcée. Merci beaucoup. Nous voyons que les efforts de collaboration peuvent être positifs dans différents pays. Ma question suivante est liée et elle s'adresse à Pascal puisqu'on passe au point de vue des donateurs. D'après votre expérience, Pascal, quels sont les facteurs de succès permettant de renforcer la collaboration et les synergies entre différentes parties prenantes pour promouvoir les efforts de transparence dans le secteur forestier et au-delà? À vous. Merci beaucoup, Maria, de cette question. Premier élément qui me vient à l'esprit après avoir écouté ce que disait Rosa Armando et ce que disait Julien plus tôt. Bon, je pense que si on s'intéresse à l'échelon mondial, le rôle des organisateurs est crucial. C'est pourquoi la FAO est notre partenaire dans cet effort. Parce qu'on peut s'appuyer sur ce que fait la FAO jusqu'à présent en termes de données forestières et sa capacité à travailler avec les autorités nationales. Et donc, ça, c'est un élément clé pour garantir le succès. Ensuite, si on approfondit la question à l'échelon national, eh bien, je pense que l'approche pluripartite est cruciale. Bon, c'est évident. C'est une condition du succès, ce n'est pas seulement un facteur de succès. C'est essentiel, donc c'est vraiment essentiel. Bon, c'est comme une approche pluripartite. On doit impliquer un large éventail de parties prenantes. L'université, la société civile et d'autres acteurs doivent être impliqués pour pouvoir renforcer les capacités techniques et institutionnelles. Bon, faciliter les échanges de données. Bon, on a des informations qui proviennent de différentes sources grâce à cette approche. Donc, certains acteurs n'ont pas accès à toutes ces informations. Donc, c'est essentiel. Autre aspect, la CBIT n'est pas le seul guichet de financement pour la coopération en termes de transparence des données.
Et donc, il faut jeter des passerelles avec l'écosystème international. Autre aspect lié à ce que je disais plus tôt, avoir des accords interinstitutionnels en place. Voilà, tout cela fait partie des projets que l'on appuie à l'échelon national. C'est essentiel pour échanger des informations entre parties prenantes pertinentes, pour garantir de meilleurs rapports en termes d'inventaire forestier. On peut inclure le ministère de l'Agriculture, des Forêts, du Climat, d'autres institutions qui sont liées à l'utilisation des terres et aux forêts de façon générale. Autre élément important, l'existence de portails en ligne pour l'échange d'informations, pour l'établissement de rapports nationaux et internationaux. Certains pays ont créé ou renforcé leur plateforme de transparence climatique avec des onglets forêts pour gérer les données forestières. Voilà, on a observé qu'il s'agissait là d'un élément important. Des accords spécifiques avec des universités locales sont essentiels, bon, comme des protocoles d'entente, ce qui facilite le renforcement des capacités, des programmes, la formation, la création de programmes en lien avec l'université peut garantir la durabilité dans le temps, ce qui est essentiel. La durabilité dans le temps des capacités, puisqu'il faut prendre en considération les roulements au sein des institutions gouvernementales. Voilà, il y a l'élément capacité à rester qui est important. Dernier facteur de succès, le partage de connaissances, des meilleures pratiques, grâce à la coopération Sud-Sud. Bon, et ça, c'est vraiment ce que le travail de la FAO à l'échelon national, international et régional. Le Grand Sud, le Sud global, les pays du Sud global peuvent travailler ensemble. Et dans le secteur forestier, nous avons l'ETF, le cadre de transparence renforcée, qui permet de comprendre quelles sont les meilleures solutions, les meilleures approches. Voilà donc les éléments clés qui constituent des facteurs de succès. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Alors, il y a beaucoup d'opportunités, on le voit, mais il y a de nombreux défis également. Il faut le reconnaître auxquels font face les pays et d'autres partenaires. Alors, j'aimerais entendre le Kenya, entendre Peter, qui pourrait partager avec nous son expérience dans le développement d'une capacité de suivi, si la connexion nous permet. M'entendez-vous? Oui. Oui, oui, je vous entends. Alors, je vais combiner mes deux questions. Première question que je souhaitais vous poser. Les deux questions que je souhaitais vous poser, et puis ensuite, utilisez le temps qui vous sert pour y répondre. Comment le système de suivi des forêts nationales et les données vous permettent de remplir le mandat de votre institution? Quelles sont les opportunités, les défis auxquels vous faites face dans la collecte et le partage de données pour renforcer le SNSF, pour appuyer le Kenya dans ses efforts? À vous. Merci, Maria. Je tiens à partager avec vous notre histoire, notamment la mise en place du système national de surveillance des forêts depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Différents partenaires ont été à nos côtés. Ils nous ont aidés à arriver où nous sommes aujourd'hui.
notre système national de surveillance des forêts. Bon, ce n'est pas un système kényan, mais il vise à couvrir l'ensemble du secteur forestier du Kenya. Donc, différentes parties prenantes, partenaires et institutions se sont réunies et jouent un rôle crucial dans cet effort. Nous avons tenu l'appui de l'Australie. Qui nous a permis de faire une cartographie de l'utilisation des terres. Nous avons des partenaires comme la Finlande également, qui nous a aidés avec la mise en place de modèles d'inventaires forestiers nationaux. Nous avons bénéficié également de l'aide du Japon qui nous a aidés à nous préparer à envoyer nos rapports à la Convention. Le gouvernement britannique nous a également appuyés, la FAO également, afin d'améliorer notre système de surveillance nationale des forêts. Autre partenaire, PNUD, PNUE, USAID et d'autres qui nous ont aidés à arriver où nous sommes arrivés aujourd'hui. Le mandat du service repose sur la loi de la conservation des forêts adoptée en 2016 qui nous donne un mandat et désigne nos fonctions. Donc, il y a des actions que nous devons réaliser qui sont liées à la conservation, à la préservation, à la protection des forêts publiques. Parfois, nous réunissons ces trois aspects, certaines des fonctions que nous devons faire en termes de surveillance des forêts. Et de préparer des rapports qui sont envoyés au ministère des Forêts. Nous devons également préparer une évaluation des forêts tous les 5 ans qui est envoyée au Parlement. Autre fonction que nous devons développer, actualiser une base de données sur les données. Donc, dans le cadre de son mandat, il est essentiel de disposer d'un système national de surveillance des forêts nous permettant de nous aider, qui regroupe les informations, les données nécessaires à la prise de décision, à l'adoption de politiques. Le système national de surveillance des forêts kényan que nous avons conçu repose sur 2 domaines, le suivi et l'accès aux informations, donc une base de données. Nous sommes censés utiliser l'aspect suivi pour faire le suivi de la déforestation, les frontières, des zones forestières, la santé des forêts, essences forestières disponibles. Nous sommes censés utiliser ces données pour faire le suivi et garantir la gestion des forêts. Tout cela relève donc de la SNSF. Concernant la plateforme d'information des forêts, la base de données. Cette base de données nous permet de collecter des informations liées à l'utilisation des terres, la couverture des terres.
et nous utilisons ces informations disponibles dans les rapports, que ce soit les rapports nationaux et internationaux. Et en fait, nous faisons surtout référence à ce qui fait partie du système de forestier national, qui est un point de départ dans la mission nous produisons. Nous voulons assurer le suivi pour voir si nous en tirons bien ou non et comment. Et à cet effet, pour faire cette évaluation et voir où nous en sommes, nous pouvons voir si nous pouvons vraiment avoir un financement pour nos différents organes, vraiment pour la conservation et la gestion de nos forêts. Et nous avons aussi ce que nous appelons l'inventaire national, qui est indispensable. C'est un outil, système de suivi national indispensable pour aider nos pays à faire cet inventaire. Et je ne vais pas me lancer dans les détails, mais nous reconnaissons l'importance du système du suivi forestier national. Et nous voulons avoir ce système de suivi, donc vraiment avec une mise en œuvre qui ne soit pas unique. Nous voulons un système de suivi national qui aide vraiment le secteur forestier à prendre des décisions critiques de gestion, de politique, etc. Parce que les forêts jouent un rôle critique. Non seulement sur le changement climatique, mais aussi, c'est important, il y a une connectivité avec les questions forestières dans les économies du pays. Si vous regardez l'agriculture, elle dépend des forêts, les transformations aussi dépendent beaucoup des forêts. Et si vous regardez l'eau aussi, toutes sortes de secteurs sont critiques à notre PIB, mais sont liés d'une façon ou d'une autre aux forêts. Et des informations critiques, des décisions critiques doivent être prises et elles doivent être bien fondées. C'est très important. Je voudrais ajouter que les forêts, leur gestion, leur protection et la conservation, ce n'est pas une question institutionnelle uniquement. Ça demande aussi que tout le monde mette la main à la pâte pour avoir du succès. Et à cet effet, il faut trouver un système qui parle à tout le monde. Et nous devons nous trouver à même où les gens peuvent recevoir, trouver des informations, ils peuvent les accepter et peuvent aussi amener des informations si possible. Voilà pourquoi nous envisageons un ensemble de données. Et nous avons par exemple les forêts pour les forêts domaniales, mais aussi nous avons des forêts communautaires. Nous avons aussi des forêts privées. Et nous avons des forêts qui sont surtout sur des terres agricoles. Voilà pourquoi il faut que nous ayons une bonne collaboration dans un système qui puisse inclure tout le monde afin que nous puissions avoir la meilleure utilisation possible du système. En plus, c'est à cause des espaces très larges, beaucoup d'institutions doivent aussi voir un peu où elles en sont pour chaque système, chaque partie prenante ou institution ou agence, un système des fois, ou plusieurs systèmes. Et nous voulons que ce système soit compilé ensemble pour avoir ce grand système national. Nous voulons parler aussi et dire quelques mots sur quelque chose qui est novateur, notre système d'accès aux forêts, et qui est vraiment qui doit aider les gens. Si quelque chose se passe en utilisant la télédétection, par exemple, il y a quelqu'un qui peut vous dire, eh bien, en utilisant simplement un téléphone mobile, on peut avoir des relations avec les gens des services forestiers pour dire que quelque chose s'est passé, que ce soit bien ou non, et pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Et cet outil, vraiment, se servira à notre suivi national des forêts.
Et bon, si vous le permettez, je peux peut-être passer à la deuxième question, vu le temps, oui. Si vous pouvez peut-être y revenir très rapidement pour que nous voyons tout, comment gérer ces données forestières. Et bien sûr, nous avons bien progressé, nous avons rencontré des problèmes, nous voyons ce que nous devons faire pour atteindre notre objectif. Et les forêts sont des forêts, c'est parfois même la jungle, et c'est difficile d'y travailler. Un des défis, c'est l'amélioration des infrastructures. Nous voulons nous trouver dans une situation où notre système national de suivi des forêts pourra vraiment arriver au centre des forêts, en quelque sorte, et vraiment pour assurer la reforestation, et même que arriver dans les endroits où nous avons les gardes forestiers qui patrouillent une certaine zone. Il faut améliorer les infrastructures pour l'électricité, par exemple, accès à Internet, aussi même les aspects de logement de nos gardes forestiers, et aussi pour avoir des téléphones portables, des ordinateurs. Ça, c'est un des défis que nous avons, des infrastructures. Nous voulons avoir un système vraiment qui va jusqu'aux unités les plus réduites de gestion. Et puis, nous voulons aussi, et nous avons de nombreuses institutions qui dépendent de notre système national de suivi des forêts. Et nous devons avoir un accord institutionnel, en quelque sorte, pour que chacun sache exactement où il en est, quel est son rôle, ce qu'il doit faire. Et c'est un des éléments de ce système national de suivi des forêts. Et mais c'est en même temps un défi, ça demande des capacités pour que les gens puissent être d'accord sur ce qu'ils doivent faire. En plus, notre système national de suivi forestier au Kenya n'est pas bien connu. Il n'y a que les techniciens qui le connaissent, c'est-à-dire quelques personnes, mais nous aimerions avoir un système qui serait peut-être lié à ce qui se passe sur le terrain avec les forêts pour voir comment les utiliser. Et cette transition et cette création de la prise de conscience est indispensable dans ce cas. Il y a aussi la durabilité des données. Puisque nous avons des données dans le système avec les nouvelles technologies et avec de nouvelles informations. Et nous avons une entrave à cette activité parce que nous n'avons pas fait notre inventaire forestier national. Nous avons des données nationales et nous avons des données ici et là, mais nous aimerions vraiment un inventaire national des forêts complet qui nous aiderait, qui nous semble indispensable pour assurer un bon système national de suivi forestier. Voilà, je crois que je m'en tiendrai là. Je vous remercie. Merci, Peter. Merci d'avoir partagé avec nous vos expériences et votre expertise. Et pour ce sont des points cruciaux dont vous avez parlé, l'importance qu'il y a, la durabilité, continuer les efforts et même après les projets. Et vraiment, je voudrais me concentrer sur cet aspect un peu plus. Et pour adresser une question à la FAO, peut-être la dernière question de la discussion, Juliane, d'après ton expérience, est-ce que tu peux nous dire comment la FAO peut vraiment profiter de son réseau mondial et ses partenariats pour assurer la durabilité et l'impact à long terme de renforcer les efforts de renforcement de capacité?
Tu as la parole, Juliane. Merci beaucoup. Eh bien, oui, grande discussion, en effet. Et je dois dire, je vais revenir sur certains des autres grands programmes de la FAO. Et je pense que nous avons un exemple dont a parlé Pascal, par exemple, comment utiliser des investissements ciblés pour réunir beaucoup de différents travails nationaux et de lier cela. Donc, au cadre, c'est très important, vu ce qui s'est passé à la FAO, et chaque projet, donc, vraiment, doit nous présenter et nous permettre de tout réunir et aider les pays dans cette année critique à répondre. C'est vraiment l'année du cadre de le renforcement de la transparence pour le projet, pour que les choses avancent. Alors, à la FAO, il y a 6 ou 7 ans que nous travaillons, nous avons accumulé les capacités et les connaissances dans les pays et sur la durabilité tout d'abord, et les projets vont et viennent. Mais nous faisons cela depuis longtemps et certains des grands processus qui ont été mentionnés à plusieurs reprises et dont nous pouvons profiter dans le CBI des forêts, donc c'est vraiment l'engagement avec tous les pays et territoires. Et c'est vraiment très utile. On l'a dit, notre directeur l'a dit dans les remarques d'ouverture pour renforcer, c'est le processus pour renforcer ce cadre de transparence renforcé. Et c'est quelque chose qui sera important dans les années à venir pour l'appui aux forêts. Alors, je remis quelque chose dans le chat, dans la boîte de dialogue, sur notre évaluation des ressources forestières mondiales, qui est un grand travail. Donc, cette plateforme peut vous aider à fournir des informations sur le cadre et aussi et aligner les informations contenues dans le FRA, c'est-à-dire l'évaluation des ressources forestières mondiales, et avec le cadre renforcé de transparence. Il y a maintenant 10 ans que nous travaillons pour avoir des systèmes de gestion durable des forêts dans les pays. Nous avons travaillé avec de nombreux partenaires parce que si les pays mettent sur pied ce renforcement des capacités, si c'est institutionnalisé dans le gouvernement, eh bien, ça pourra vraiment les aider à gérer les forêts de façon plus active. Ça les aidera aussi à faire rapport sur d'excellentes données à la communauté internationale pour le cadre, ce qui va se passer cette année d'ailleurs. Et en fait, vous l'avez dit, il y a une référence à notre grand programme qui va dans le même sens et qui a pour objectif d'accélérer le suivi. Et grâce à ce processus, avec une aide du gouvernement du Royaume-Uni, nous avons aidé beaucoup de pays à institutionnaliser leur système de gestion forestière. Et nous travaillons vraiment au niveau international et mondial avec dans des projets sur la santé forestière, surtout dans le cadre du cadre de transparence renforcée. On vous l'a déjà dit, mais la collaboration est indispensable. On nous a aussi dit qu'il y a des secteurs, le forestier en particulier, sont un élément très important du puzzle pour réduire les émissions. Et il y a vraiment une autre initiative aussi, c'est l'initiative mondiale pour l'observation des forêts, le GFOI. Et là, nous essayons d'avoir une plateforme de collaboration avec les différents partenaires. Nous avons une plénière tous les 2 ans qui se concentre vraiment sur le fait de mesurer les données forestières. Et à partir de cette plateforme, nous sommes liés à l'ETF, au cadre de transparence renforcée. Alors, vous le voyez, le principal message de la part de la FAO, nous essayons de réunir tout au niveau international, international, régional, avec des engagements internationaux pris au titre du cadre et partager des connaissances comme nous le faisons aujourd'hui. Je vais mettre des liens dans la boîte de dialogue que vous pourrez consulter. Je vous remercie. Merci, Juliane. Et en fait, voilà qui nous donne une bonne transition vers la section webinaire.
Et afin de gagner du temps, parce que nous sommes un peu en retard pour la discussion ici, veuillez garder vos questions parce que et mettez-les sur la boîte de dialogue ou la boîte questions-réponses et les membres du panel les suivront et pourront répondre à vos questions à la fin de l'événement d'aujourd'hui ou ensuite. Nous avons maintenant Rocío Condor et j'ai la parole à notre prochain orateur qui va nous présenter une nouvelle facette du projet de la FAO et du FEM sur les projets et dont on discutait. Et nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui parmi nous Rocío Condor-Golek, chargée des forêts à la FAO, spécialiste du cadre de transparence renforcée. Rocío, depuis 20 ans, se penche sur les sciences environnementales, l'écologie forestière, tout particulièrement pour mesurer, faire rapport, vérifier au titre de la Convention pour le changement climatique. À l'heure actuelle, Rocío est à la tête du projet mondial CVT Forêt et qu'il va vous présenter. Rocío, vous avez la parole. M'entendez-vous, Maria? Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, j'affiche ma présentation. Alors, merci à l'ensemble des participants qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais vous présenter un aperçu du nouveau projet forestier CBIT de la FAO et du FEM en présentant les réalisations passées et ce qui la suite. Alors, nous avons vu qu'il était essentiel de renforcer les capacités sur la transparence des données forestières pour renforcer la participation des parties prenantes en impliquant les gouvernements, les universités, les ONG, le secteur privé, les communautés locales, les organisations internationales pour s'assurer de leur participation dans la prise de décision et la protection de leurs intérêts. Action climatique, accès aux données forestières pour appuyer l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, attirer des investissements. La transparence attire des investisseurs durables, encourage la croissance économique dans les régions tributaires des forêts. Recherche et innovation, des données ouvertes encouragent l'innovation scientifique et la conservation de la biodiversité et l'écologie. Politique efficace, des données forestières transparentes renforcent la prise de décision, garantissent que la décision repose sur des données probantes et qu'elles soient ciblées. Collaboration internationale, la transparence promeut la coopération mondiale sur des questions comme la gestion des forêts, la conservation de la biodiversité. Comment avons-nous contribué à davantage de transparence des données forestières conformément à la mise en œuvre du cadre renforcé de la transparence de l'accord de Paris? CBIT Forêt a fait face au défi de la COVID-19 en explorant les nouvelles opportunités, en étendant ses programmes de développement des capacités virtuelles, partage des connaissances, sensibilisation via des produits, des événements comme des cours en ligne, des études de cas sur la transparence des données forestières, des MOOC et des webinaires dans de nombreuses langues. Étendre le recours au virtuel pour renforcer la participation à l'initiative grâce à la mise en place d'incitations comme le fait d'obtenir une certification ou d'obtenir de nouvelles connaissances. Le projet a renforcé la sensibilisation quant à l'importance de la transparence et de données fiables, mais également quant au besoin de franchir les différentes étapes pour répondre au cadre de transparence renforcée. Le succès du projet CBIT Forêt est reconnaissable à son engagement qui encourage la participation des femmes, des populations autochtones, des communautés locales. L'implication virtuelle de différentes parties prenantes a permis de renforcer la sensibilisation mondiale quant à la transparence des données forestières et l'importance des informations forestières dans l'action climatique. Ce projet promeut l'apprentissage inclusif en permettant d'avoir un accès égal, contribuer et tirer parti des connaissances, des produits de connaissances. Donc, 10 000 personnes en ont profité, dont près de 39 % de femmes.
D'ailleurs, les femmes jouent un rôle clé, elles partagent leur point de vue, elles se font entendre dans des endroits où la participation des femmes était faible. Le projet prenait en considération les sexospécificités en renforçant la participation des femmes aux formations. La participation des femmes est ainsi considérée comme étant élevée. Les produits de sensibilisation ont permis la participation d'experts, de professionnels ayant accès à de nombreux produits. Nous espérons que les leçons tirées de la première phase du projet encourageront les individus et les pays à poursuivre l'apprentissage et la collaboration. Je vous ai invité à vous référer à nos publications qui partage l'ensemble des expériences obtenues grâce au projet Transparence des données forestières. En s'appuyant sur les leçons tirées d'expérience, nous nous présentons la deuxième phase de CBIT projet, qui permettra de renforcer la transparence des données forestières, un élément essentiel pour l'action climatique et la gestion durable des forêts. Le lancement du projet CBIT Forêt, appuyé par le FEM, vise à renforcer les capacités des pays à faire un suivi efficace et transparent au moment de faire rapport. Le projet, donc 20 pays tireront parti directement du projet, 236 pays et territoires en tireront parti, font partie du réseau mondial du FRA, l'évaluation des ressources forestières. La pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité sont renforcées grâce au travail de suivi en cours des forêts dans la division des forêts de la FAO, les réseaux internes et externes et les plateformes disponibles à l'échelon mondial. Le projet CBIT Forêt garantit que des connaissances et une expertise de pointe soient disponibles et accessibles à tous. Ce nouveau projet permettra de renforcer l'accès à l'utilisation des meilleures données forestières en produisant des données qui permettront de renforcer la transparence en facilitant l'accès aux données de ressources forestières via l'évaluation des ressources forestières de la FAO, une plateforme qui sera dotée de nouvelles fonctionnalités et permettront aux pays qui sont intéressés de partager leurs données. Communication, sensibilisation auprès des points focaux, la promotion active, l'échange d'informations entre correspondants nationaux du FRA et les points nationaux de la Convention permettent de garantir la mise à disposition des données des ressources forestières les plus récentes pour les rapports de transparence biennaux dans le cadre du cadre de transparence renforcée qui doit être envoyé d'ici le 31 décembre 2024. Si vous souhaitez suivre le processus de façon étroite, vous êtes invité à vous inscrire à la newsletter. La CBIT Forêt permettra d'améliorer les systèmes de suivi nationaux des forêts en travaillant avec les pays sur le partage des données, en renforçant les capacités techniques des parties prenantes forestières et climatiques quant aux plateformes, ressources et outils disponibles. Partager des connaissances via les réseaux et les inventaires nationaux des forêts. Il y a des obstacles auxquels font face de nombreux pays, institutionnels, techniques, pour collecter, partager des données forestières fiables, complètes, en temps opportun. Notre objectif est de transformer ces défis en opportunités d'innovation et de collaboration. Ce nouveau projet continuera à améliorer la transparence et la gestion des activités en identifiant, développant et diffusant des produits de connaissances préexistants, mais également de nouveaux ensembles de données, en mettant en œuvre des stratégies de gestion des connaissances et en partageant les résultats avec tous. Les activités du projet seront déployées à l'échelon national, régional et mondial, à l'échelon mondial, grâce à des plateformes de diffusion des données ouvertes et des connaissances virtuelles. Nous allons continuer à
Alimenter le catalogue de micro-données alimentation et agriculture grâce aux données des inventaires forestiers et en rendant les évaluations des ressources forestières mondiales disponibles à tous. Ce projet permettra également de développer des cours en ligne gratuits en plusieurs langues. À l'échelon régional, nous allons mettre en lien les différents acteurs forestiers en établissant des liens entre les différents réseaux d'inventaires forestiers nationaux, ce qui permettra de renforcer la transparence. Nous allons poursuivre notre travail avec Armando Alanis, qui est à la tête du réseau Amérique latine et Caraïbes, et en permettant la création d'un nouveau réseau en Asie à l'échelon national, nous allons travailler avec des pays choisis dans différentes régions sur le partage de données forestières. La communication et le partage de connaissances sont un élément essentiel du projet pour sensibiliser quant à l'importance de la collecte de données, l'analyse et à la diffusion pour garantir la transparence du secteur forestier. Vous êtes invité à retrouver nos produits qui sont disponibles sur notre nouvelle page Internet que nous lançons aujourd'hui en anglais, français et espagnol. En conclusion, je tiens à remercier mes collègues de la FAO dans les différentes équipes, divisions, régions. Il s'agit de nos alliés, de nos partenaires de ressources qui sont convaincus de l'importance de la collaboration et de l'importance également de la transparence des données forestières. Merci de votre attention. À vous, Maria. Merci beaucoup, beaucoup de cet aperçu. Ces efforts pour renforcer la transparence des données forestières continuent. Je m'en félicite avec de nombreux partenaires impliqués. Alors, je vois que les liens sont partagés dans la boîte de dialogue. On partage également le lien avec la nouvelle page Internet du projet. Alors, nous touchons à la fin de notre réunion. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre participation aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi que de modérer cet échange. Donc, ce webinaire a été enregistré. La présentation de Rocio sera partagée avec l'ensemble des participants dans les jours à venir et publiée sur la page de l'événement. Merci au FEM, à l'initiative Aim for Forest et à l'initiative GFOI, Initiative mondiale pour l'observation des forêts. Merci d'avoir participé à l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants. Et en conclusion, je voudrais donner le micro à Julianne Fox, qui va s'exprimer au nom de la FAO. Julianne, à vous. Merci beaucoup, Maria. Alors, je m'excuse, on m'a beaucoup entendu aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci aux intervenants, au public. Cet échange a été fascinant. J'aimerais pouvoir parler de ces questions tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux intervenants. Merci au Kenya, au Mexique. Vous avez parlé du rôle important de la transparence des données forestières pour façonner les politiques, promouvoir la durabilité et lutter contre le changement climatique sur le terrain. Merci aux participants qui ont souligné l'importance des données forestières transparentes. J'espère que ces échanges, eh bien, vous inspireront pour renforcer la transparence de la collecte des données dans les différents processus d'établissement de rapports. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les pays aient de bonnes données. Nous avons entendu des experts du Kenya, du Mexique. Merci. À la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Et au réseau de la CCNUCC, comme Maria l'a dit, merci au FEM. Sans l'appui du FEM, nous n'aurions pas pu organiser un tel webinaire. En résumé, la transparence renforce la reddition de comptes et la confiance et permet aux pays de relever leurs ambitions
climatique. Si les pays veulent gérer ce qu'ils ont, eh bien, nous sommes à leur côté pour renforcer leur ambition, agir. Voilà. Nous devons agir à l'échelon mondial. Donc, l'EBF travaille donc à l'échelon national pour renforcer donc les efforts pour atteindre l'accord de Paris. Ce nouveau projet renforcera la transparence des données forestières pour l'action climatique en faisant le lien entre les différentes sources de données à l'échelon national, régional et autres en termes de forêt. Comme l'a dit Rocio, le partage des connaissances, la sensibilisation et le développement des capacités sont essentiels. Donc, restez connectés pour en savoir plus sur la suite du prochain. Donc, ce projet est le fruit d'un partenariat entre la FAO et le FEM. Il s'agit d'un partenariat solide et nous souhaitons que tout le monde participe à ce projet CBIT. Je vous invite à poursuivre les échanges pour renforcer la transparence des données forestières à l'appui de nos pays. Donc, le travail que nous réaliserons cette année est essentiel. La transparence est essentielle pour la gestion durable des forêts, comme on l'a entendu, mais également pour faire en sorte que nous puissions garantir la reddition de comptes et faire le suivi des progrès faits dans le cadre de l'accord de Paris. Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Je dois conclure et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tous.